De vous retrouver pour 5 questions à Floris Nestard, qui est le directeur général de l'ADOM, l'ADOM qui est l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Monsieur Nestard, merci de nous recevoir dans les bureaux de l'ADOM, situés dans l'enceinte du ministère des Outre-mer, pour cette dernière émission de la série 5 questions. Alors, quelles sont les missions de l'ADOM ? Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici, cher monsieur. Alors, les missions de l'ADOM, il y en a 3. La première mission originelle même de l'ADOM, c'était comment accompagner les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation en mobilité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les conseils régionaux qui sont compétents pour la formation professionnelle continue. Mais dès qu'il s'agit de quitter le territoire de ces demandeurs d'emploi qui viennent en métropole, par exemple, donc on est dans la compétence de l'ADOM. Donc première mission, il y a un outil qui s'appelle le passeport mobilité formation professionnelle. Et chaque année, l'ADOM accompagne au titre de la formation professionnelle continue entre 4000 et 5000 demandeurs d'emploi. Des chiffres importants. Absolument, absolument, c'est tout à fait considérable. Premier point. Deuxième mission importante, nous proposons des prestations aux étudiants. On leur donne un bon de voyage pour qu'ils puissent venir en métropole ou ailleurs en deux circonstances. Premier point, il faut qu'ils fassent la démonstration que les études qu'ils veulent poursuivre sur leur territoire d'origine sont saturées. Effectivement, on ne va pas les pénaliser. S'ils veulent faire des études, par exemple des études de philosophie, il n'y a plus suffisamment de place sur le territoire. Et dans ce cas-là, vous intervenez. Nous les accompagnons en leur donnant un bon pour faciliter leur voyage, aussi bien aller qu'au retour. Alors, un chiffre, par exemple, pour 2015. Alors, au titre de l'exercice 2015, nous avons aidé, en fait, 11 000 étudiants. Voilà, pour le passeport mobilité études. Puis, il y a une troisième mesure, c'est l'aide à la continuité territoriale. Quelle en est la philosophie ? Après les événements qui se sont déroulés en 2009, notamment dans les territoires d'outre-mer, département d'outre-mer, le président de la République de l'époque a proposé de renforcer la continuité territoriale. En un mot, faciliter les échanges entre l'Hexagone pour le déplacement et les ressortissants des collectivités d'outre-mer. Et donc, il y a eu la mise en place de cette aide à la continuité territoriale. Et là aussi, c'est un bon pour pouvoir faciliter le transport de ces gens. Mais c'est quand même important parce que ça leur permet, prenons des exemples de comédiens qui veulent se rencontrer, des chefs d'entreprise, etc. C'est quand même très intéressant. Mais le système a été victime de son succès, tant et si bien qu'au départ, c'était une périodicité annuelle. Et désormais, c'est tous les 3 ans. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même bon à prendre. Oui, toujours. Pour ceux qui en bénéficient. Alors, parmi les missions aussi, il y a ce sujet qui intéresse évidemment bon nombre de nos compatriotes. Il s'agit de la continuité funéraire, un dossier sur lequel vous travaillez énormément. Alors, vous faites bien d'en parler. C'est une priorité absolue de la ministre des Outre-mer. Parce qu'effectivement, il y a des ultramarins ici de conditions modestes qui sont confrontés à un deuil, quelqu'un qui décède. Donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner ces personnes décédées, donc une aide au transport d'un cercueil, mais aussi aider un accompagnateur. Vous voyez, donc elle y est très très attachée et donc les discussions se poursuivent au niveau de son cabinet, avec au niveau interministériel pour faire avancer
la mise en place de cette continuité funéraire. Il devrait être lié à des conditions particulières. Et donc, le mot, oui, il y aura bien entendu des conditions en termes de revenus. Tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Ce sont ceux qui auront les revenus les plus modestes qui, par définition, en bénéficieront. Et le moment venu, cette mesure-là sera gérée aussi par l'ADOM, qui, comme vous l'avez dit, est l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Alors, un mot avant de poursuivre. Il faut dire que la DOM est devenue un établissement public depuis janvier 2016. Alors, en quoi ça change les choses pour cette structure? Alors, jusqu'ici, donc la DOM, ce nom-là, existe depuis 2009. Vous voyez? Parce que par le passé, c'était l'ANT, l'Agence nationale d'insertion des travailleurs d'outre-mer, créée en 1982. Et avant, il y avait le BUBIDOM créé en 1963, qui était le bureau de migration des départements d'outre-mer. Mais entre l'ADOM et le MUBIDOM, il n'y a rien à voir en termes de mission, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, je vous ai présenté les missions de l'ADOM. Je peux évoquer les moyens. Oui, sûrement, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour faire fonctionner la maison. Exactement. Alors, je voulais commencer par le critère le plus important, ce sont les moyens humains. D'accord? Nous disposons, j'ai posé la question tout à l'heure en termes de bulletins de paye, 150. Vous voyez, en gros, la DOM, c'est 150 personnes réparties en métropole dans plusieurs délégations territoriales qu'on retrouve en général dans les grandes métropoles de l'Hexagone. Vous trouvez une unité territoriale à Nice. À Marseille, vous en trouvez à Lille, vous en trouvez à Lyon, vous voyez dans les grandes métropoles régionales de l'Hexagone. Mais vous en avez surtout en Outre-mer, dans les 5 départements d'Outre-mer, les 3 départements français d'Amérique, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, et les 2 départements français de l'océan Indien, c'est-à-dire Mayotte et La Réunion. Et au total, ça nous fait 150 personnes avec une répartition géographique, ce qui complète la donne. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je veux profiter de l'opportunité que vous me donnez, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre partout. Je me suis rendu une seule fois en Outre-mer, depuis ma prise de fonction, c'était à La Réunion. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer mes collaborateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte, et je voulais leur rendre hommage. Et surtout, actuellement, parce que c'est le pic d'activité. Pendant que les autres sont en vacances, il y a un pic d'activité. C'est clair pourquoi. Parce que c'est bien maintenant que les étudiants demandent leurs billets pour pouvoir regagner la métropole ou simplement aller passer des vacances auprès de leur famille, les demandeurs d'emploi qui s'organisent pour arriver en septembre à la rentrée, bénéficier de formation. Donc je veux leur rendre hommage et d'autant que je sais que leur travail est difficile. Justement, quel est le rôle de ces antennes qui vous servent de relais via Paris? Eh bien, en fait, ces antennes, il y a un demandeur d'emploi qui va vers Pôle emploi et que Pôle emploi étudie son projet professionnel et que finalement on constate que la formation qui va bien, c'est une formation qui aura lieu plutôt en métropole. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, nos équipes prennent en charge ces demandeurs d'emploi sur la question du billet, sur la question de l'hébergement. Alors, ce n'est pas nous qui finançons l'hébergement, mais il faut prévoir l'hébergement. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune qui arriverait ici, qui bénéficierait d'une formation alors que la question de l'hébergement n'est pas réglée, vous voyez? Et puis qu'on leur donne un pécule aussi pour pouvoir fonctionner pendant toute la formation. Alors, l'élément essentiel quand même, c'est de veiller à ce que ces formations puissent aboutir à une insertion professionnelle durable. Je peux vous dire, cher monsieur, qu'il ne s'agit pas de formation par qui. Il faut vraiment faire du concret, aller vraiment que ça puisse déboucher sur du concret. Alors, en la matière, ce qui est fondamental, c'est d'abord une étude très précise des besoins en emploi et en compétences des territoires concernés. C'est ça d'abord. Quel est le besoin? Et au vu des besoins, on va dire, quels sont les jeunes qui sont disponibles, quels sont leurs projets professionnels? Et là, la mécanique ladomienne, si vous me permettez l'expression,
s'enclenche pour que, les orientations, au bout mieux de tout cela, il y ait une insertion professionnelle durable. Alors, vous avez pris vos fonctions début 2016. Alors, quelles sont les priorités? Je rappelle que vous avez remplacé Jean-Claude Canet, qui restait aussi à la tête de la DOM pendant un certain temps. Quelles sont vos priorités en tant que nouveau directeur de la DOM? Alors, juste un point, parce que je n'ai pas été complet sur les moyens. Vous dire un mot sur le budget, et après, je réponds par définition à cette question. Sur les moyens, vous m'avez dit, de quels moyens disposons-nous? Le budget de la DOM, 73 millions d'euros pour mettre en œuvre toutes ces missions. Et nous avons trois contributeurs. D'abord, l'État, 57 millions d'euros au titre de l'année 2016. Les collectivités territoriales, qui sont nos partenaires. Et je rends hommage aussi à nos partenaires des collectivités, puisque dans mes objectifs, il faut améliorer nos relations, renforcer nos relations. Et donc, pour l'ensemble des collectivités territoriales, il s'agit d'un budget de 9 millions d'euros. Et enfin, sachez-le, nous bénéficions de fonds de l'Union européenne pour l'exercice 2016, à concurrence donc de 7 millions d'euros. Voilà. Alors, quels sont les objectifs? S'il ne devait avoir qu'un seul objectif, cher monsieur, ce serait faire en sorte que la DOM réponde mieux à ses missions. C'est-à-dire que concrètement, que les demandeurs d'emploi, que les étudiants puissent être satisfaits de nos prestations. Donc, nous travaillons à améliorer notre professionnalisation. Donc, les agents font déjà beaucoup et on se donne les moyens pour pouvoir renforcer leur formation. Dès mon arrivée, j'ai dit, nonobstant notre déficit, nonobstant notre dette, je mets 100 000 euros sur la table pour la formation professionnelle continue. Pourquoi 100 000 euros? Parce que la masse salariale étant de 9 millions 3, arrondissons à 10 millions, vous voyez bien que 100 000 euros, ça fait 1% de la masse salariale. Donc, la question de la formation, à mes yeux, est totalement essentielle. Première priorité. Deuxième priorité, améliorer le fonctionnement de l'agence, parce qu'on a pu recevoir des critiques par-ci, ici ou là. Donc, il y a cet objectif d'améliorer le fonctionnement de l'agence. Troisième objectif, rétablir les comptes. Rétablir les comptes parce que, au titre de 2015, le déficit. Oui, alors justement, où en est-on aujourd'hui? Parce que la DOM a eu à faire face à des difficultés financières. On en a beaucoup parlé au niveau de la presse. Alors, où en est-on aujourd'hui concrètement de la dette et alors, du déficit? Faisons le distinguo, vous avez raison, entre le déficit et la dette. Bon. Alors, au titre de l'année 2015, nous venons de... Le conseil d'administration de la DOM vient de se réunir. Et donc, il a été acté un déficit de 5 millions d'euros. D'accord? Et la dette aurait été de 29 millions d'euros si la tutelle, et nous avons deux tutelles, ministère du budget et ministère des Outre-mer, ne nous avaient pas donné une subvention partielle. Mais quand même, nous étions bien contents d'avoir ces moyens supplémentaires de 9 millions. Donc, moralité, il reste une dette de 20 millions et un déficit de 5 millions. Mais je voudrais insister sur le fait que ces difficultés budgétaires n'ont pas eu d'impact sur les crédits d'intervention. Pour parler clairement, on n'a pas diminué le nombre de passeports mobilité étudiants. Voilà, il n'y a pas eu de conséquences qu'on soit obligé de faire ces économies. Il n'y a pas eu. Alors, les restrictions budgétaires, alors, elles se situent où? Il n'y a pas eu de conséquences sur les enveloppes dédié à la formation professionnelle et tout ce qui va avec, et dédié au fait que les étudiants vont pouvoir venir en métropole parce que leur formation est saturée ou parce que leur formation n'existe pas. Quelqu'un qui vient intégrer l'école polytechnique, par définition, il faut qu'il prenne l'avion pour venir en métropole. Donc ça, c'est un point fondamental. Et je vous remercie de m'avoir posé la question. Nos difficultés budgétaires n'ont pas eu d'impact sur les enveloppes réservées aux étudiants, aux demandeurs d'emploi et à l'aide à la continuité. Donc ces restrictions, vous les avez effectuées sur quel secteur? Alors, deux choses. Parce qu'il faut bien en faire pour rétablir l'ordre. Effectivement. Bon, c'est classique. C'est classique. Il y a deux possibilités. Soit, et c'est normal, vous maîtrisez vos dépenses, et c'est logique. Et comme dirait ma mère, charité bien ordonnée commence par soi-même.
Vous ne pouvez pas aller demander des moyens supplémentaires à vos tutelles, à vos partenaires, si vous-même, vous ne faites pas la démonstration que vous, chaque euro que vous utilisez est bien utilisé. D'accord ? Donc, à la DOM, il n'y a pas de plan d'économie, il y a un plan de maîtrise des dépenses, et ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez noté que, malgré nos difficultés, nous ne faisons pas d'économie sur la formation. C'est essentiel. Et c'est dans cet esprit-là qu'en liaison, bien entendu, avec le président du conseil d'administration, vous n'êtes pas sans savoir que nous venons d'avoir notre nouveau président du conseil d'administration, M. Philippe Jocques, originaire de la Martinique, et qui est un chef d'entreprise. Et là, je veux rendre hommage à nouveau à la ministre qui a voulu que le président du conseil d'administration de la DOM soit un chef d'entreprise en partant d'un postulat simple. La DOM ne peut pas réussir sans les entreprises. On a besoin des entreprises pour des stages et on a besoin des entreprises aussi pour l'insertion professionnelle durable. Vous voyez ? Donc ça, c'est un point extrêmement important. Cette gouvernance qui est maintenant complète, nous avons notre directeur général, c'est moi, une secrétaire générale qui a pris ses fonctions le début avril et un nouveau président qui est l'homme des entreprises. Il y a eu cette signature entre la DOM et Pôle emploi, hein, il y a quelques jours, ici même au ministère des Outre-mer. Oui, parce que nous sommes dans une logique importante de renforcement des partenariats. C'est qui nos partenaires ? Je l'ai dit, avec les collectivités territoriales, et donc il y a un système de convention que nous passons avec les collectivités territoriales, mais nous renforçons nos relations aussi avec tous nos partenaires en charge des politiques de l'emploi, de la formation, de l'insertion et de la sécurisation des parcours professionnels. Donc, bien entendu, au premier rang desquels, nous avons Pôle emploi. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, vous avez bien raison de le souligner, avec le directeur général de Pôle emploi, en présence de la ministre, nous avons signé un accord cadre pour renforcer nos relations avec Pôle emploi. Nos relations en amont et nos relations en aval. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur la question de la définition des projets professionnels, vous voyez bien que le partenaire Pôle emploi est essentiel et surtout aussi au moment où ces personnes terminent leur formation, nous avons besoin de savoir quels sont les besoins du territoire en matière de recrutement. Parce que ce qui est essentiel et ce que nous appelons de nos voeux, c'est la coïncidence et la concomitance des calendriers. Qu'il y ait une coïncidence entre le calendrier de la formation et le calendrier du recrutement. Parce que quand vous donnez une deuxième chance à des demandeurs d'emploi qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé une insertion professionnelle durable, ils montent dans un avion, ils viennent en métropole, mais il faut absolument que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons une obligation de moyens, voire une obligation de résultats pour qu'il ait un poste. Et c'est Pôle emploi qui est en mesure de nous dire aussi, in fine, il y a des postes disponibles, vous voyez. Et je profite de l'opportunité, puisque vous m'aviez dit, cette transformation de la société anonyme d'État, qui était la DOM, en établissement public administratif, qu'est-ce que ça apporte en plus ? Par exemple, les préfets des départements d'outre-mer sont désormais devenus les délégués territoriaux de la DOM. Alors, il n'y a aucune originalité en la matière, puisque c'est déjà le cas, par exemple, pour d'autres agences importantes, telles que l'Agence nationale de la rénovation urbaine, où le préfet est le délégué territorial, telles que l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, le préfet est délégué territorial. Et c'est devenu ainsi pour la DOM. Ça nous apporte une valeur ajoutée importante. Parce que n'oubliez pas que le préfet et le président de la collectivité co-animent une instance importante qui est le comité régional de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'orientation. Et donc, c'est à l'intérieur de ce comité qu'on parle des
besoins du territoire, des projets du territoire, des métiers en tension. Donc, l'arrivée des préfets dans le dispositif de la DOM nous renforce, vous voyez, a fortiori dans nos discussions avec les collectivités. Je me sens très soucieux. Prend langue directement avec le président du Conseil régional. Je me sens très soucieux de la situation des jeunes. Quel est votre regard aujourd'hui sur la situation économique de nos régions d'outre-mer, notamment cette situation du chômage qui, quand même, nous avons toujours ce chiffre qui reste assez important. Comment voyez-vous l'avenir de ces régions sur ces deux plans, le plan économique et le plan social? Alors, il faut dire deux choses. Premièrement, on constate quand même qu'il y a une embellie. Oui, on a pu le noter. Sur les chiffres du chômage qui ont tendance à baisser en Outre-mer, et notamment pour les jeunes. Voilà. Donc là, pour le coup, la courbe s'est inversée. Absolument. Depuis un certain temps. C'est clair. Il n'y a pas de débat, premièrement. Mais le chômage reste important dans ces collectivités et avec toutes leurs conséquences. Oui, cause de difficultés, en termes de fléaux sociaux. Ouais. Et qui pourrait même porter la tête à la cohésion de ces territoires. Donc c'est un sujet vraiment important. Et c'est pour ça que je vous dis que les salariés de la DOM sont particulièrement motivés parce qu'ils savent qu'en face, il y a quelqu'un qui compte sur eux. Et donc voilà pourquoi, sur le terrain, nous sommes motivés. Nestor, vous êtes donc à la tête de cette agence depuis janvier 2016. Vous attendiez tant de travail, tant de réunions. Vous devez être surchargé parce qu'il s'agit de régler des problèmes très sérieux d'emploi, de formation, de recevoir des jeunes. C'est énormément de travail. J'ai toujours travaillé beaucoup. J'ai toujours travaillé beaucoup parce que quand même, si vous connaissez un peu mon parcours, j'étais instituteur au départ, j'ai poursuivi mes études, je suis devenu directeur d'hôpital, j'ai intégré l'ENA et sous-préfet pendant 14 ans. Donc le travail ne me fait pas peur. Mais ici, c'est un peu la tectonique des plaques. Ça bouge, ça bouge, ça bouge de toutes parts. Bon, mais Dieu merci, je ne suis pas seul et avec une bonne équipe de direction et avec des agents motivés. Donc je peux dire d'ores et déjà que la DOM va mieux. Alors pour terminer cette émission, comme vu la tradition, je vous laisse le soin de vous exprimer aux téléspectateurs sur un sujet lié peut-être à la DOM, un sujet à votre choix. Oui, je voudrais dire, et grâce à vous, cher monsieur, que en fait, la DOM répond à des missions qui sont nobles et principalement en faveur des demandeurs d'emploi. Voilà, donc ça nous motive particulièrement. Et je sais que le travail sur le terrain est difficile pour nos agents. C'est pour ça qu'en levant le rideau de notre discussion, j'ai voulu leur rendre hommage. Donc je leur demande de continuer et pour bien montrer que nous sommes à la hauteur de la situation pour répondre correctement aux besoins de nos compatriotes. Il n'y a pas meilleur combat que le combat de la lutte contre le chômage. Florus Nestor, merci d'avoir répondu à nos questions. Très bien, c'est tout à fait normal. Vous êtes venu jusqu'à moi, donc je me suis prêté à l'exercice et avec plaisir pour faire passer un certain nombre de messages et pour mieux faire connaître l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. C'était donc 5 questions à Florus Nestor, qui est le directeur général de la DOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. C'est aussi la dernière émission de la série, de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Nous allons bien évidemment revenir au mois de septembre avec Info Paris, 5 questions. Je voudrais saluer Emmanuel Darroy qui a réalisé une tonne d'images cette année en ma compagnie et que vous avez su apprécier. Merci donc de nous être fidèles. Rendez-vous au mois de septembre. D'ici là, passez de très bonnes vacances, à bientôt.